les gilets jaunes se sont mis en marche. Non pas en rejoignant le mouvement d'Emmanuel Macron, mais en participant à un défilé dans les rues du centre-ville, dimanche 16 décembre en fin de matinée. Pendant près d'une heure et demie, le cortège d'environ 250 personnes est passé devant plusieurs lieux symboliques, comme la gendarmerie, le monument aux morts, l'ancien centre des impôts ainsi que la mairie, où ils ont accroché leurs banderoles, en fin de parcours. De nombreux manifestants avaient dessiné sur leur gilet un crêpe noir, en hommage aux victimes du mouvement, manifestants et policiers, a expliqué l'un des initiateurs de la marche. Aucun débordement n'est à signaler autour de ce rassemblement, escorté par une dizaine d'agents de police. On va continuer, tout au long du parcours, les manifestants ont entonné la Marseillaise à une dizaine de reprises, ainsi que de nombreux chants hostiles au président de la République. Les taxes sur le gaz, l'électricité et le carburant sont trop élevées, avant Sylvain, pour expliquer sa participation. Plus d'infos sur ouest-france.fr. Pour aller plus loin, à lire aussi sur ouest-france.fr.